Bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'ai envie de faire un petit retour sur qu'est-ce qui se passe dans ma vie, qu'est-ce qui se passe sur la chaîne, pourquoi je ne poste pas trop de vidéos sur YouTube, parce que comme vous avez pu le voir peut-être sur les différents réseaux sociaux sur lesquels je poste deux trois petites choses par-ci par-là, il se passe beaucoup de choses dans ma vie, parce que franchement il s'est passé autant de choses pendant ces 2 mois que pendant les 2 années que j'ai fait à Strasbourg. C'était vraiment... Attends, j'arrive plus. C'était vraiment incroyable. Alors, cette vidéo n'est pas écrite. Alors, si ça part en bordel, c'est normal. Bisous. Vous êtes prêts ? Eh bien c'est parti. En septembre j'ai commencé par faire une exposition dans un bar, c'était ma première exposition solo et j'en ai profité pour faire une mini vidéo interviewant les gens, il y avait du punch et des quiches, c'était génial. Une vidéo pour savoir comment tu fais un sticker, ça serait super intéressant et super travail. Alors d'abord merci beaucoup et puis justement j'ai fait une nouvelle illustration cet été et j'ai prévu de faire une vidéo complète sur comment faire une illustration. Explosion, explosion, bref, je vais vous montrer dans 2 vidéos comment faire une illustration, que ce soit sur papier puis la passer au digital pour faire des stickers et des posters, puis ensuite en faire une linogravure, je n'arrive plus à prononcer ce mot, pour faire des impressions que ce soit sur des posters et des collages, ainsi que des t-shirts, wouhou! En parlant d'illustration, j'ai aussi dessiné un burger en sous-vêtements. Burger String de son petit nom en référence à la célèbre marque de fast-food. Ce sympathique dessin où on peut placer le hashtag foodporn se retrouve donc sur les stickers qui ont la particularité d'être transparent où vous pouvez donc mettre les sous-vêtements de la couleur que vous désirez. Il se retrouve également sur des collages dans la rue, j'avais aussi essayé de le coller sur la vitrine de Pandora, mais le lendemain il a été arraché. Tant pis. En parlant de collage, mes illustrations continuent d'envahir les rues de Strasbourg et j'ai été pris en flagrant délit d'ailleurs pour la première fois par la police. Pas cool. J'ai organisé plusieurs grands barbecues pour réunir tous mes copains et on était quand même plus de 100 personnes. On s'est dit qu'il fallait peut-être continuer ce genre de choses après le barbecue et donc avec l'aide d'un ami, Jules Carlen, merci à toi, on a ouvert une boîte de nuit pour l'occasion, c'était absolument génial. Moi je m'occupais de faire les vidéos after movie. À Strasbourg les week-ends, ça commence le mercredi. Pourquoi t'es devenu chauve? Pour la dernière soirée que l'on a faite, j'en ai profité pour respecter le défi qui m'était imposé pour les 1000 abonnés parce que oui, on a dépassé les 1000 abonnés sur la chaîne, c'est absolument génial. Bref, j'ai dû me raser la tête. Ceci étant dit, continuons. Par la suite, étant donné que j'étais chauve, j'en ai profité pour faire un shooting maquillé. Mon premier patron s'appelait Bruno aussi, MDR. C'est bien, Mickaël. J'ai aussi lancé un petit webzine strasbourgeois qui s'appelle Stras la vie que je vous invite à rejoindre si vous habitez à Strasbourg parce qu'on partage beaucoup d'événements en rapport avec Strasbourg et sur lequel je fais aussi des petits reportages vidéo. Alors ça n'a rien à faire sur ma chaîne YouTube donc c'est pour ça que vous les avez sûrement pas vus. Mais je vous mets le lien de la page dans la description si ça vous intéresse d'aller voir. Et puis j'espère que ce petit webzine strasbourgeois fonctionnera. J'ai fait la communication pour un marathon à Strasbourg. Voilà l'affiche, voilà le verre. Imaginez qu'il y a le verre parce que je suis venu, j'ai trop bu, je me rappelle plus. Je sais même pas où est le verre. J'ai vécu encore plein d'aventures folichonnes avec le photographe que j'adore, Mickaël Vieira. On a fait beaucoup de shoots ensemble. Je vous partage quelques petits extraits. Avec ce même personnage, on est justement allé à Paris et il m'a fait rencontrer la marque Global Charger qui fait des batteries externes avec qui vous verrez incessamment sous peu un petit partenariat. Mes illustrations imprimées sur des batteries. Voilà, j'ai rien dit. Par la suite, cette même marque nous avait invité, moi et Mickaël, au salon de la mobilité. Qui dit mobilité dit moyen de mobilité, voilà. Que ce soit des scooters, des trottinettes, tout ça. C'était tout écologique, électrique. C'était très amusant de voir toutes ces belles bêtes électriques et justement en parlant de belles bêtes électriques, Mickaël s'était procuré selon lui la trottinette la plus puissante des trottinettes, voilà. Et donc vous aurez l'occasion de voir quelques projets vidéo que ce soit sur ma chaîne ou sur sa chaîne que je vous mets en lien dans la description parce qu'il va lancer sa chaîne YouTube, j'espère quand même. Putain Mickaël, t'as intérêt de lancer sa chaîne YouTube. Bref, pour rentrer de Paris, j'ai pris un bus qui a mis 9 heures de trajet. Je n'ai pas fait beaucoup de shooting photo pour les gens, mais j'en ai fait plus pour moi, avec par exemple Mickaël Vieira ou Séverine, 2 personnes avec un talent en photographie tout à fait incontestable et des studios photos dans lesquels nous pouvons nous amuser à faire tout un tas de choses incongrues. J'ai enfin sorti la vidéo du plus gros projet de toute ma vie, la peinture d'une pièce entière. Dans laquelle nous avons encore une fois fait d'autres photos avec Mickaël Vieira. J'ai fait une petite expédition back to home à Evian pour voir la projection d'un court métrage auquel j'avais participé pour le filmage, filmmaking, J'en peux plus de moi. Je dis n'importe quoi. Bref. Pour le tournage du making of, c'était le court-métrage qui s'appelle La Planque de Victor Rety. Alors le making of est en ligne par-ci par-là, par contre le court-métrage il faudra attendre un petit peu, mais je vous conseille d'aller voir la chaîne de Victor Rety, c'est en description. On recommence et action. J'espère qu'on nous trouve. Oui, on va certainement pas laisser conduire. Je dis, je suis désolé, mais... Et lui il est toujours pieds nus. Non, parce qu'en fait c'était pour le personnage. Et j'aime pas les chaussures. Tu conduis pieds nus aussi? Je conduis pieds nus, je vis pieds nus. Je vis pieds nus comme une chenille. T'as déjà vu une chenille avec des chaussures? Eh non. How do you stay motivated in art and in life? I love cocaine, cocaine, cocaine. No, just kidding, I don't know. J'ai fait une deuxième expédition dans un bar qui n'a absolument pas marché. Il y avait personne. C'est aussi ça les aléas d'être un artiste. J'ai tourné une vidéo avec un pote musicos qui s'appelle No Slash Mad, je sais pas exactement comment prononcer. La vidéo est en ligne sur ma chaîne YouTube et la musique est absolument géniale. À Paris, je n'ai toujours pas vu McFly et Carlito parce que je n'ai pas été sélectionné pour le YouTube Space pour voir leur petit talk, voilà, c'est dommage. C'est d'ailleurs pour ça que je voulais justement dépasser les 1000 abonnés et le défi pour raser la tête, bah ça reste. D'ailleurs justement, en parlant de défi, je vous demande maintenant de me dire en commentaire un nouveau défi pour les 5000 abonnés. Un défi tout aussi stupide que me raser le crâne, je le ferai quand même. J'ai fait l'acquisition d'une nouvelle mascotte, Dolphine le dauphin, voilà c'est tout, ainsi que ce petit canard. Voilà, ça servira à faire des projets artistiques que vous verrez je ne sais pas trop quand, mais en attendant je l'adore et je fais même des shootings photos avec lui. J'ai des nouveaux le papillon. Alors, attendez, je vais les chercher. Tada! Regardez, c'est du velours. Oh, t'es doux toi. Alors, je vais essayer de le mettre. Sans miroir, ça va être compliqué. On se concentre. Hop. Allez. Bon, je prends la miroir. Ah. Bref. Alors, ça m'empêche de respirer, mais j'ai à peu près bien mis. On va essayer de le détendre, parce que là, c'est compliqué. Qu'est-ce que je voulais dire déjà? Ah oui, niveau art, il y a eu d'autres choses. Il y a eu des collages, en veux-tu, en voilà, des collages. C'est-à-dire que, je pense que vous le voyez avec le mur derrière moi, j'aime bien récupérer des affiches un petit peu partout. Et j'ai fait un road trip en Europe avec un ami et à Berlin, on va dire qu'il y a des affiches dans tous les sens. Donc on en a récupéré beaucoup trop. Et du coup, j'en ai fait des œuvres un peu assemblage étranges. How slash, where do you get your inspiration for stickers? I have to confess, most of the time I found my inspiration from Instagram, you know, and so I follow some artists that I like and they inspire me through their art. Yeah. À propos de collage et de création artistique en tout genre, je me suis lancé récemment sur TikTok, il y a à peu près 5 mois maintenant, et j'ai déjà atteint 9000 abonnés, c'est absolument incroyable, merci beaucoup à vous si vous me regardez et que vous êtes TikToker. Bref, si vous voulez être au courant un petit peu plus en temps et en heure de ce que je fais, je vous invite à venir sur TikTok, c'est beaucoup plus rapide pour moi de poster sur TikTok, et en plus ça me fait plaisir. Donc voilà, le lien est dans la description, encore une fois. Cœur violet, cœur dans un cœur, 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 il y en a combien? Merci. Et enfin, je terminerai cette vidéo en respectant le titre de cette même vidéo, en vous disant que oui, effectivement, pendant ces 2 mois à Strasbourg, je n'avais pas d'appartement et bah du coup, je logeais un petit peu chez l'habitant, par-ci, par-là. C'était un petit peu un j'irai dormir chez vous, donc justement, tu prends tous tes potes et puis tu demandes s'ils veulent bien t'héberger pour 2-3 jours, juste un canapé comme ça, histoire de ne pas trop déranger, exactement comme l'application Couchsurfing, sauf que là, c'est du coup avec des amis. Et vu que j'avais beaucoup d'amis à Strasbourg, je me suis dit que ça pourrait fonctionner. Sauf que, étant artiste, youtubeur, vidéaste, tout ça, plein d'autres choses qui demandent beaucoup de matériel. Des fois je devais aller chercher des affaires pour retourner à un autre endroit, puis aller à un autre endroit, redéposer des affaires, etc. Et c'était un petit peu le bordel. Franchement, si j'avais eu un appartement, j'aurais été bien plus content. Et Macarena. Fou. Aïe. Et bref. Je dis n'importe quoi. Mais heureusement, il y avait un ami qui avait un grand espace et qui pouvait me stocker tout le matériel. Et ensuite, j'allais dormir à droite et à gauche. Pour vous donner un retour un petit peu plus en détail et construit concernant ces mois de vagabondage, si l'on peut dire, c'est absolument trop chiant. Et franchement, pour les personnes qui se diront « Ouais, t'es un gros schlag, tu profites de tes potes, tu payes pas de loyer, tout ça », alors oui, effectivement, on paye pas de loyer. Par contre, franchement, vu l'organisation, j'aurais préféré en payer un et avoir moins de contraintes pour l'organisation et ne même pas savoir où est-ce que tu vas dormir la semaine prochaine, etc. Parce que forcément, les personnes qui m'hébergeaient ont aussi leur propre plan et c'est arrivé qu'ils changent leur plan, c'est possible, évidemment, je le reconnais, mais du coup, ça influe sur mon organisation et je suis obligé de trouver un autre moyen pour dormir. Donc je me suis retrouvé par exemple dans un squat à Paris, c'était pas ouf quoi, mais bon, ça dépannait, c'était bien utile. Enfin bref, c'est assez compliqué, mais cependant, je remercie vraiment tous ces amis qui ont participé et qui m'ont hébergé gracieusement chez eux pour quelques jours, voire une semaine, voilà. C'était vraiment très agréable de votre part, je vous rendrai évidemment le pareil lorsque j'aurai un lieu dans lequel je pourrai dormir moi-même. Le petit point bonus. Ce qui était très cool, c'est que j'ai pu découvrir plein de lieux auxquels j'aurais pu habiter dans la ville. Par exemple en centre-ville, en banlieue, dans certains quartiers, etc. Et finalement, ce qui était marrant, c'est que les jours où je dormais vraiment en centre-ville et que je pouvais sortir comme je voulais, faire tout ce que je veux, où tout était à proximité, et ben c'était les jours où je restais le plus chez moi et que je faisais du montage photo, du montage vidéo. Allez savoir, qu'est-ce qui se passe dans ma tête, je comprends pas. Et ensuite, pour donner la justification de pourquoi j'ai fait ces mois de vagabondage, tout simplement car j'avais des choses à faire à Strasbourg, comme par exemple une exposition ou d'autres événements que j'organisais ou que des amis organisaient et auxquels je voulais participer. Mais je ne savais vraiment pas si j'allais rester longtemps au même endroit dans la même ville. Et voilà, sur ce, donc cette vidéo est terminée. J'espère vraiment que ça vous a plu. Pouce bleu si t'as aimé la vidéo, que vous avez déjà vu des projets sur Facebook, que vous allez voir des projets sur Facebook et YouTube, ou que vous vous en foutez totalement. Moi, ça m'a fait du bien et ça m'a permis justement d'extérioriser tout ça, parce que je considère que j'ai une vie d'hyperactive, un truc de malade. Si je suis justement tout énergique comme ça dans mes vidéos, ce n'est pas non plus pour rien. Je pense que il y a de l'énergie à revendre. Vous voyez, c'est comme les bébés quand ils veulent pas s'arrêter de pleurer. Ben moi, je peux pas m'arrêter de gesticuler dans tous les sens. Voilà. Pourquoi je fais ça ? J'en sais rien. Moi je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo où ce sera des nouveaux projets artistiques, voilà, un petit peu plus artistique que cette vidéo où on fait que blabla. Je vous souhaite de souscrire à une très très bonne soirée et de passer un agréable moment à la chaîne. Je sais encore jamais quel côté c'est. Allez, bisous!